Bon, du coup, si on est coincé ici dans cette survie à tout jamais, autant bien faire les choses. Ouais! Moi, perso, j'ai presque fini de réparer tout le village où j'habite. Ah, à défaut de l'avoir explosé 20 fois, quoi. C'est quoi une survie? Ferme-moi, ton nom. On veut pas de toi. Du coup, on va construire une grosse ville. Il va nous falloir une mairie, un tribunal, et aussi un musée, et genre, des grosses industries et tout. On peut pas juste commencer par faire une maison? Non, il faut qu'on crée un vrai système économique, au moins. Déjà, il y aura un maire, ce sera moi. Ensuite, il faudra trouver un métier pour tout le monde. Moi, je suis un chat, je travaille pas, je touche juste le RSA. Moi, je suis un enfant, je peux pas travailler d'abord. Bah moi aussi, et en plus, je suis une fille. Bobby, tu vas pas me laisser tomber, toi aussi. Bah, c'est-à-dire que j'ai même pas de bras, enfin... Parfait, tu seras porte-parole des discours officiels. Ouais, là, c'est cool si tu construis ça, là. Et Ipso, je t'ai pas donné la permission de construire là-bas. Tu devrais faire un devis à la mairie si tu veux faire ça. Et d'ailleurs, pour les communistes... Tu fais un coup d'état? C'est quoi tout ce bordel? Hey, salut! C'est moi qui triais un peu mon stuff, je range mes coffres. On t'entend à l'autre bout de la map, comment ça peut faire autant de bruit? Ah, ça? Ah bah c'est quand je les jette comme ça, regarde. Hein, c'est quoi cet objet? J'ai jamais vu ça. De quoi? J'ai pas vu de quoi tu parles. Où est-ce que t'as été chercher ça, Tommy? T'as installé des mods sans le dire, c'est ça? Tu triches? Mais n'importe quoi, je triche rien du tout. Bah, tu te gives des objets, alors. Ah non, non, jamais j'oserais, hein. Explique-moi comment t'as fait pour avoir 2 œufs de dragon, alors. C'était un bug, y a des lags, ils l'ont dupliqué comme ça. Ok, d'accord. Y a une commande bloc. Il s'est ajouté par magie dans tes coffres, lui aussi. Ah, le commande bloc. Quel commande bloc? Ah, le commande bloc. Ah ouais, ça, ah ouais. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, quand même? Non. D'ailleurs, il me faut un panier de raisin, t'en as? Ouais, j'en ai, tiens. Ah, j'étais bien nu, hein. Y'a que dalle de panier de raisin dans Minecraft, Tommy. Allez, dégage de la survie. J'enfreins toutes les règles de notre survie Minecraft. Règle numéro 3, ne pas griffe la maison des autres. Je dirais que c'était Bobby. Oh, j'ai même pas de bras, espèce de petite co**e. Hey, j'ai plus de cobble, t'en aurais quelques-unes. Ouais, vas-y, serre-toi. Il y a tous ces coffres là-bas, ils sont pleins de cobble. Hey, mais t'es malade, t'as passé combien de temps à miner? Je t'avouerai que j'ai pas compté. Attends, je te montre, j'ai miné là-bas. Et c'est que le début. Je vais faire une méga ville géante ici. Ah ouais, rien que ça, donc j'imagine que t'as un peu de fer, quoi. Ouais, un petit peu. J'en ai pas des masses non plus. Ah ouais, rien que ça. Et en diamant? C'est là. Ah bah ça va, y'a pas grand chose cette fois. Et je commençais à avoir peur. Ah mince, je me suis trompé. En fait, ça c'est mon coffre à netherite. Le diam, c'est là-bas. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, je reviens 2 minutes. Continue de construire si tu veux. Ça marche, je vais te construire une belle ville, tu vas voir. Hé, hey, mais t'es un malade! T'as fait tout redstone! C'est pas la première fois que je construis cette ville, hein. Qu'est-ce que tu cherches dans mes coffres, là? J'ouvre des coffres pour chercher des trucs! Tu cherches quoi? Et il me manque 3 ailes roses pour faire un pipou géant! Là, tu vas voir, ça va être méga drôle de fou! Mais je m'en fous de tes zizi en laine, Tommy! Pourquoi tu fouilles dans mes coffres à moi? Ah, mais c'est tes coffres! Ah, mais y'a pas marqué ton nom dessus aussi! Eh, moi, je savais pas, t'avais qu'à mettre ton nom dessus, hein! Mais Tommy, t'es sérieux? T'es dans ma maison! Évidemment que c'est pas tes coffres! Je sais pas, réfléchis un peu, c'est fou ça! Mais sérieux, arrête, tu fais quoi là? T'emprunte vite ça, ça ira, t'es pas trop égoïste. Mais je m'en fous, c'est mes coffres à moi, dégage, ça me saoule quand tu fouilles dedans. Déjà que t'as rien à faire là, à la base. Bah arrête de regarder alors, débile. Bon, on va faire de cette survie un endroit magnifique, d'accord? Oh ouais, on va construire un grand supermarché et une mairie. Ouais, et un bar à pute. Ouais, ouais, Flora, c'est très bien. Une mairie pour commencer. Je peux m'occuper de construire? Non, surtout pas, Tommy. Non, tu fais rien de Tommy. Mais pourquoi? Je sais très bien construire, moi. N'importe quoi, Tommy. La seule chose que tu sais faire, c'est des grosses tubs en laine. Peut-être, mais elles sont jolies, au moins. Eh, hey, mais virez-moi ce gosse, j'ai déjà assez vu. Du coup, c'est bon, j'ai tous les matériaux. Non, j'ai dit non. Tu construis rien du tout. S'il te plaît. Ça va être magnifique, je te le promets. Eh, vraiment. Bon, juste pour cette fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh, hey, t'as vu, c'est magnifique, non? Franchement,
franchement, je vais pas me vanter, mais je pense que c'est un des plus beaux bulles que j'ai pu voir en survie. Et franchement, j'hésite à me lancer dans des tutos pour vous donner des conseils. Ça va, Lego? Oui, ça va. Bah, non, c'est juste dégueulasse. Ouais, mais on le garde quand même, hein. Hé, hey, Tommy, t'as fait une houe pour les champs? Ouais, je l'ai fait en netherite. Et même, j'en ai fait une deuxième en diamant, au cas où ça casse. Qu'est-ce que tu plantes, là, Tommy? Bah, des betteraves. C'est la meilleure bouffe du jeu, tu savais. Pourquoi t'as la tête plantée dans la terre? Chut! Je veux voir si ça peut faire pousser d'autres mois. Ah! Hé, hey, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi y a des trous géants? Ah, ça, bah, c'est moi. J'avais envie d'un peu de défi, comme ça. Hé, hey, mais t'es malade! Pourquoi t'as tout miné comme ça? Je sais pas. Je trouve ça marrant de miner un chunk entier pour le fun. Non, mais t'es né avec une case en moins! C'est pas possible, ça! C'est une blague, là! J'avais des éponges en trop et je me suis dit... Eh tiens, si on faisait un trou géant dans l'océan comme ça? Après, si tu veux l'exploiter pour faire une base, bah vas-y, hein. Mais moi, mais j'en ai rien à battre de ton trou géant, là! Oh, c'est bizarre, il y a de la lumière là-bas. Là, c'est peut-être une grotte avec un donjon. Oh, mais merde, là! Et ça, c'est ma grotte top secrète. Je me suis dit, ça fait quoi si on essaye de faire la plus grande grotte du monde en survie? Non, mais tu me saoules, sérieux! Oh là là! Ah! Mais wesh! Et je me suis dit, ça donne quoi si je minais tous les blocs du monde entier pour voir? Bah, du coup, ça donne ça. Écoutez, deux secondes. Tommy essaye de dire un truc depuis avant. Hé! Est-ce que vous m'entendez? On t'entend pas, Tommy, je crois que tu bugs. Du coup, pour la suite de la survie, ce qu'on va construire, c'est... Tommy, tu parles en décalé, attends un peu s'il te plaît. Du coup, j'étais en train d'expliquer que... Hey, quelle merde! On va tomber là! Ferme-la, tu me défonces les oreilles! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de le laisser faire le pont? Mais ouais, t'as cru que j'étais un loup, pourquoi? T'inquiète! Je crois que je lag! Mais Tommy, vous êtes où les gars? Est-ce que t'as dit la redstone? J'en ai besoin beaucoup, beaucoup. Ah mais t'es sérieux? Tu peux pas toquer, Tommy? Tu m'as fait flipper. Bah si, j'ai toqué. Salut, je peux entrer? Hein? Eh, qui a volé l'œuf de dragon? Eh, c'est pas moi pour une fois. Elle demande à Flora, c'est cette sale gamine qui l'a volé. Flora, t'as fait quoi avec l'œuf de Nord Dragon? J'imagine que c'est pas l'heure pour une omelette. Hé, hein hey, ça se fait pas! Hé, hey, Tommy, est-ce que t'aurais pas la moitié d'un stack de cobble? Il m'en faudrait vite fait et j'ai pas ma pioche sur moi. La moitié d'un stack? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air un peu paumé. Tu sais pas combien ça fait la moitié d'un stack? Ah, bah si, si, tiens. Par contre, faut vite que j'y aille, j'ai laissé Flora dans le four. Attends, tu m'as passé 47 cobble, pas 32. Mais tu sais pas calculer ou quoi? Bah, évidemment qu'il sait pas calculer. Bah, t'as vu sa tête de saucisse desséchée là? Ah, c'est déjà surprenant qu'il arrive à tenir debout. Elle lui en demande pas trop. Ah ouais, j'avoue. Faudrait pas lui en demander trop quand même. Oh là là, Tommy, c'est horrible! J'ai perdu tous mes diamants et j'en ai plus un seul. Je voulais aller miner pour pouvoir en chercher pour tout le monde. Mais j'ai plus d'armure ni de pioche. Tu pourrais pas me passer un petit stack de diamants pour faire une pioche? Hein? Eh, tu crois que j'ai pas capté ce que t'essayes de faire? Eh, t'es vraiment malhonnête si tu crois que j'ai pas compris! Eh, t'es un mytho, faut pas un stack pour faire une pioche! Mais non, c'est bon, je rigole. Faut pas un stack pour une pioche, il en faut trois! Bah tiens, sois pas timide! Ok, super. Oh là là!